Sur des chemins à la con là. Franchement, tout à l'heure j'étais un peu au bout de ma vie, j'ai eu trop peur, ça m'a fatigué d'avoir peur. J'étais deux doigts de tout arrêter. Ouais, hein. Fini, merci, au revoir. C'est parti! On est parti trop vite! On a oublié d'enlever la bâche sur la tente. Hop là! Alors là, on va direction Embrun. Mathis, il va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Il va faire du parapente! Baptême de parapente! Voilà, là, il va remplacer Papy. Qui est trop lourd. Moi aussi d'ailleurs. Et ça me va très bien. Eh ben y'a pas d'eau! Coucou! Mais ils sont pas là! Ouvre ma fenêtre! Ils sont là! Et bonjour! Ça va? Eh poulet, tu vas sauter? À l'angoisse! La prochaine, c'est toi, hein! Ah, Mathis devant! Tu as la pression derrière, mais bon. C'est pas toi qui saute, hein! Ça monte ou quoi en pression? Non. Tu vas sauter où? On voit rien. On va un petit peu disparaître. Le lac. Tu vois le lac un peu? Le lac. Jusque là-bas. Enfin, un petit sac. Ouais, alors le sac biplace c'est toujours un peu gros, mais en plus, faut dire qu'on plie pas très très bien. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que, en fait, on le ressort tellement souvent dans la journée que ouais. On fait un pliage sommaire. Ça fait quoi? Le cosmonaute. Ouais. Allez, Mathis, régale-toi. Ça va mieux? Il est là-haut, Mathis? Il est où? Yes! Alors, c'était comment? Super. Trop bien. Je viens d'atterrir. Ah ouais? Trop cool. Alors, raconte-moi, c'était quoi le meilleur moment? Un moment, il avait fait bouger partout comme ça. Ah ouais? Et j'ai trop aimé. C'est à qui maintenant? Ça va? Tu vas nous faire un petit haut punaise ou pas? Bon ben voilà, on annule le deuxième saut. Moi, j'ai eu trop de la chance. Là-bas, il fait pas beau, c'est pas bon. Ça décale à lundi. Et là, on redescend parce qu'il y a de la pluie, on sait pas trop ce qui arrive. Qu'est-ce qui nous arrive dessus? Ils annoncent pas beau, donc prends pas de risques. Au revoir, merci. Ciao. Allez, on va se promener avec Papy et Nani. Et on va rejoindre les copains en Defender aussi. Là. On a eu un petit hic cet été. On n'est pas très très bien équipé en lumière. Pas du tout au point avec les lumières. Quoi. On est obligé d'avoir la frontale tout le temps. Quand on voulait regarder la nuit sur les côtés, ben, on mettait la frontale, notre frontale light que tu as déjà vu dans nos vidéos. Le lien dans le descriptif si tu veux voir comment elle marche. On a reçu du coup une lampe torche parce qu'on pense que c'est quand même essentiel et on n'en avait pas du tout une lampe torche qui marche. Qui marche fort. Tu montreras un petit peu plus tard comment elle marche. Et là, par contre, on va les charger. C'est un petit aimant et
USB. USB. Et on a aussi la petite. C'est la mienne. Passe. Celle de Mathis. Maman. Qui est. On te montrera comment elle marche aussi. On va la charger. Oui. Eh ben on va avoir du beau temps encore. Toujours beau temps avec les grands-parents là-bas, j'ai l'impression. On se retrouve à la montagne, sous la pluie, encore. Et il y a les copains qui nous ont rejoints avec le Defender. On espère qu'il tombe pas en panne. Bon, l'avantage c'est que du coup tu peux imaginer tout et n'importe quoi. Bon, petite panique quand même à bord là. Moi j'ai peur et ça me fatigue d'avoir peur. C'est un peu stressant, il y a de la boue ça et tout fatigue. Ça. De... Franchement, prendre un chemin dans la bouillasse et dans la pluie, franchement, c'est complètement. Voilà. Ouais, c'est pas fou, ça va être devant, ça nous rassure un peu. C'est quand même toujours plus rassurant d'être derrière que devant. Parce qu'en vrai, je sais pas comment c'est plus loin, c'est peut-être pire. Bon, on est allé voir à pied, ça glisse que c'est pas possible. Et là, on a le choix. Si on n'avait pas le choix, on irait. Mais là, on a le choix. On peut faire demi-tour et repartir sur un autre chemin. Salut toi, c'est vous le pilote? C'est vous le pilote? On va dire que je ne suis pas la seule à avoir peur parce que juste devant nous, ils étaient presque en train de monter sur les arbres. Hein. Je ne suis pas toute seule. Moi, je le dis et je m'exprime. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'être dans ce mood j'ai peur, je suis pas bien. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est pas top. C'est sympa 5 minutes, mais là, ça fait long. En plus, quand tu es fatigué, c'est encore plus compliqué. Non, mais qui va bivouaquer dans ces conditions? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez bivouaquer dans ces conditions? Il fait 8 degrés. Il fait 8 degrés. Il y a un temps de breton. Il pleuviote. Il y a de la boue partout. Et c'est de la pentu à mort des deux côtés. C'est pentu avec le vide. Donc, dis-moi, ça m'intéresse de savoir si toi, avec deux enfants bien sûr, eh oui. Très aimable. Dis-moi, s'il te plaît, dans le commentaire, si toi, tu vas bivouaquer comme ça. Bon, j'ai entendu, c'est la dernière fois que je viens. Hein. Voilà. Je suis au bout du bout là. Au bout du bout. Oh, on arrive au bivouac. Moi comme père poil. Mathis a oublié son manteau dans le camion du monsieur du parapente. Il fait froid. On a trouvé une solution. Alors, très fashion week. Il faut qu'on te parle de notre petite lampe bleue. Qui est à moi. Qui est à Mathis parce qu'il a énormément utilisé à la maison et on l'a toujours pas rechargé. T'as 4 modes de lumière. La première, c'est celle-là. Je reste appuyé en dessous. Hop. J'ai la lumière rouge. La lumière rouge qui fait pas mal aux yeux. Et aussi, j'ai celle qui clignote. Et le plus du plus dans cette lampe, c'est qu'elle est aimantée. Regarde ça. Ça fait mieux. Hein. Trop bien, du coup, tu vois, tu te lèves, hop. On valide, petite lampe bulle de Olight. Bon, reprenons quelque chose de sérieux. Apéro. T'amènes ça, papy? C'est adapté, non, à la situation. C'est breton. C'est 10 degrés, c'est temps pourri. La cabane du pêcheur. Bon. Le tenancier. Dans la maison, on est bien dans cette maison. C'est les amoureux des grands espaces. Alors, et au menu du soir... Fondue. C'est quoi? Fondue. C'est qui a fait la fondue? Papy. Voilà. Petite assiette. On va se régaler. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette lampe? Non. Pas une Olight? On l'enlève. Elle est lourde. Il n'y a pas l'odeur là-dedans, mais ça sent bon. On en plaît. Qu'un gage là. C'est mais c'est quoi le gage alors? C'est tu fais 20 pompes. Oh, tu veux que je meure? Bon, et notre deuxième petite pépite là de chez Olight, la petite lampe là, Warrior, qui se recharge. Ça éclaire genre fort. Genre très fort. Donc ça, on voit bien et loin.
quand on était sur des chemins, on prenait la frontale pour allumer dehors. Donc là, cette année, on a la Warrior X3. Quand on a essayé de rentrer dans notre tente, si t'as vu la vidéo précédente, ben ça nous aurait bien aidé quand même pour faire fuir les personnes qui essayaient d'ouvrir notre tente. Le prochain qui veut essayer de rentrer dans la tente, il va prendre bam ça dans la tête, et à mon avis pendant 2 heures, il voit plus rien. Et après nous on a le temps de réfléchir et compagnie. Attention les prochains. Voilà, on s'est équipé de ça et c'est top. Allez, là on se couche et petite tricherie du soir parce que l'ambiance le veut. On a sorti le petit chinasto. Bye, bonne nuit là-bas. Sexy. Oh, il fait vachement chaud. Moi aussi j'ai la sexy, hein. Et ça veut dire quoi, sexy? Je sais pas. Moi cet été j'ai galéré pour m'allumer avec une lampe. Qu'est-ce qu'on dit? Merci qui? Je suis trop fan, merci au light. Jackie et Michel. Bref, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et bonjour. Vous avez crevé de chaud, vous, non? Ah, c'est trop chaud. Et vous? J'aurais dû venir avec vous. Ah ouais, peut-être, alors. Allez. Et c'est reparti. On laisse passer devant, ça va nous rassurer, peut-être. On a trouvé le spot pour ce midi en bord de rivière au soleil. Attends, je te montre. C'est quoi pour le pique-nique? Panis. Panis de où ça? De Marseille. Ouais, voilà, tu le dis bien toi. Panis de où tu as dit? De Marseille. Ouais. Ça va être beau. Le niveau. Une petite table. Une huître pour la Marseillaise. Elle vient d'où celle-là? Pas de chez nous. Pas de chez nous. Ça vient d'où les panis? De Marseille. L'Estac. Oui, parce que là, c'est des locaux là. Ah, ouais. Mais on les a pas, elles sont pas. On va se faire gronder. Alors, on fait un petit repérage avec le drone. Parce que soit on passe par la rivière, mais là-bas. Il y a un pont un peu foireux et le chemin de là-bas, ça passe pas et s'arrête. Donc on check avec le drone. Ça passe pas. Je vois pas par où ça peut passer. On va par là. On traverse la rivière. De trial, c'est joli chemin quand même, hein. Non, un peu plus difficile que d'habitude. Ouais, mais difficile, mais je valide. Très sympa. Il est sympa. Voilà. Il y a panique à bord quand c'est pas moi qui conduis. Putain, ça bouge. On est sur des chemins à la con là, tu vois. Hop là, ça s'effondre, on descend dans la rivière. Hyper concentré. Ouais, bah reste hyper alors... concentré. Bon, c'est quand même très joli. Tout va bien. Je vois rien. Benoît, dis-moi où je fais. Tout va bien, je te le dis. J'ai un copilote qui sert à rien. Changement de plan, il y avait ce petit chemin juste en face qui nous amène à un champ et on finit la piste. Et c'est parfait parce que j'avoue que cette piste, c'est un peu la piste de la peur. La délivrance. Au revoir.
alors c'est la fin du road trip. C'était un bivouac où il y a eu un peu de tout niveau émotion, parce qu'on a eu de l'agacement, on a eu de l'énervement parce que Mathis a oublié sa veste. On a eu pas mal de peur parce que les pistes... Toi t'as eu bien peur et du coup moi j'ai perdu un peu mes moyens parce que du coup j'avais perdu toute confiance en moi là-dessus. Là, donc, est-ce que toi aussi ça te le fait quand t'as ta coéquipière ou ton coéquipier? Parce que j'espère quand même qu'il y a des madames qui conduisent le 4x4 de monsieur. Est-ce que par moment, bah, du coup quand l'autre a peur, tu perds un peu confiance en toi? Ça c'est vrai que c'était... Et du coup c'est plus dur, du coup t'oses plus, t'as peur, t'es... c'est pas bon ça. Petit défaut qu'on a remarqué, voilà, c'est que moi j'ai eu peur et du coup Benoît... il était pas rassuré. Bon, ça glissait bien, c'était de la boue, c'était bien raide de chaque côté du chemin. Fallait pas non plus que ça merde, hein, en vrai. Oui, voilà. L'erreur, on n'avait pas le droit à l'erreur, non. Donc, si tu veux retrouver la trace, c'est sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien nos vidéos. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à nous suivre sur Instagram, à nous suivre sur YouTube. Nous, on est ravis et puis on répond à toutes vos questions. Donc, n'hésite pas si tu as besoin d'une information. À la semaine prochaine. Ciao.